Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle guidance autour du tarot. Faites le choix d'une carte, laissez libre votre intuition aller là où elle veut. Carte numéro 1, carte numéro 2 ou carte numéro 3. Vous avez fait votre choix ? Alors c'est parti pour une nouvelle guidance autour du tarot. Vous avez fait le choix de la carte numéro 1, la Maison Dieu. Eh bien, la Maison Dieu fait référence à certains événements de votre passé que vous avez probablement mal vécu. Il peut s'agir d'épreuves que vous avez traversées et qui restent gravées dans votre esprit. Certes, on ne change pas son passé, mais on peut construire son avenir autrement. Eh bien, le message de cette carte est la prise de conscience sur votre rapport à l'acceptation du changement et aux événements sur lesquels vous n'avez pas encore agi. Que vous voulez ou non, vous êtes invité à prendre une autre direction. Vous avez fait le choix de la carte numéro 2, l'ermite. L'ermite représente un personnage tourné vers lui-même, vers la sagesse intérieure et l'introspection. Cet homme inspire bien souvent confiance. L'ermite est prêt à partager sa sagesse et ses secrets. Cette carte montre que vous êtes dans une période de questionnement. Vous recherchez des réponses à des questions de vie fondamentales. Ces réflexions nécessitent une prise de recul sur certains événements et ou sur certaines personnes. Vous pouvez trouver en vous-même des réponses que vous vous posez. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il n'y a que les vôtres. Il faut les découvrir en toute transparence avec vous-même. Vous avez fait le choix de la carte numéro 3, la roue de fortune. Avec la carte de la roue de fortune, on part du principe que le destin n'est pas forcément tracé, que le changement peut intervenir et ce, à votre initiative. Nous devons nous laisser emporter par elle, mais en tenant compte des défis de nos vies. Cette carte vous place face à votre libre arbitre. En votre âme et conscience, à vous de décider. Quoi qu'il en advienne, vous vous adapterez à la situation. La roue tourne dans le bon sens et vous invite à passer à autre chose. Vous êtes le passager de la roue, alors soyez conscient qu'elle vous embarque de sa manière dans ses tours. Restez vigilant et surtout soyez acteur si vous voulez rester maître du jeu. On a fait cette guidance pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Thank you.